Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfank pour un nouvel épisode de Eastshade. Je viens d'apercevoir qu'il y avait un petit couloir là mais auquel j'avais jamais accédé. Vous savez, je vous avais laissé dans la vidéo précédente. Donc ça a l'air d'être au fond quand on monte. Et là, je vais jeter un œil. Jeter un œil parce que si j'ai raté une salle, je suis un peu déçu. Je suis un petit peu déçu. Théoriquement, ouais, c'est au fond. Hein. Si on suit les fenêtres, ouais. C'est genre là-bas. Genre là, on est censé avoir un. Ah, la faille de développement! Ah, les gars, non, ça c'est moche. Hein. Ça c'est très moche ce que vous avez fait. Donc en fait, le mec à la fenêtre regarde un pont qui n'a jamais été terminé. Voilà, c'est cool. Ça, c'est... Non, mais en fait, les mecs, on n'a pas les moyens de faire une aile supplémentaire avec des PNJ où on n'a pas le temps, etc. Et les gars, ils déchargent les PNJ, ils déchargent tous les éléments. Et ils te laissent juste un bout de pont décoratif comme ça en disant « Oh, bah, c'est stylé, on s'est fait chier à le designer, à découper, à enlever, c'est encore plus de boulot. » Donc du coup, voilà. Du coup, ils ont laissé ça comme ça. Voilà, mais tu peux pas y accéder, c'est un faux usage de faux, et c'est en plus c'est collé sur une fenêtre et même pas sur un mur. Parce que ce serait sur un mur, tu pourrais te dire, ah, en fait, il y a un passage secret. Il y a un truc à activer, quoi. Mais là, non, en fait, non, juste, c'est juste non. Donc on sait qu'on doit retourner vers notre source chaude. Alors, je voudrais vérifier un truc, tac. Est-ce qu'on a... Je sais pas si ça nous fait porter ou pas. C'est pas grave. Œuf de Fuxita. C'est un peu bizarre. Je trouvais ça où moi, je sais pas. Ah oui, non, mais c'est les œufs qu'on ramasse ici et là. Ok. Lyrique et pittoresque du machin. Je crois que c'est ça qui me permet de galoper plus vite. Ouais, je sais pas. Vas-y, colle-moi ça. D'aller plus vite. Ah, si je dois aller quand même un petit peu plus vite. Ok. Ah oui, donc si j'allais jusqu'à cette tour, j'aurais pu couper. D'ailleurs, faut que j'aille jusqu'à cette tour, j'y suis jamais allé, faut que j'y aille. Les amoureux ils sont posés là, petite terrasse, t'as vu? Intéressant. N'oublions pas de ramasser de la matière première. Toujours. Petite collection de matières premières. C'est bon pour ce que t'as. J'ai trouvé la tour Est. Et ça me donne un peu d'inspiration. Très bien. On va pas se plaindre. Hein. D'accord. Et donc si là j'avais pu, j'aurais pu prendre la tyrolienne. Ok. Qui à mon avis d'ailleurs est un simple écran noir et tu reviens et à mon avis il n'y a pas d'animation. Mais bon. Est-ce vraiment important? Est-ce qu'on joue à ce genre de jeu juste pour les animations? C'est ça la grande question. On les apprécie quand elles sont là. On a un type qui avait perdu un truc sur la plage. Voilà, on va faire un petit tour, un petit check tour de la plage. Oh, regardez ça! Un moulin à eau! Si c'est pas beau! Alors je sais pas si c'est réellement un moulin à eau au sens strict du terme, mais c'est une roue à eau quoi. En tout cas. Donc moi je vais le peindre. Moi je vais le peindre, tout le monde verra bien s'il trouve son utilité ou pas. Ah ouais, par contre si on peut quand même avoir voilà, un grand tablal. Le moulin à eau, il est validé. Il est validé. Oh, il est joli. Ouais, très bien. Très jolie couleur. Hein. Couleur.
Formidable. On va se faire un tour de plage puisqu'il semblerait qu'on ait une amulette perdue dans cette eau, hein, normalement. Ces eaux sombres, obscures de notre ami qui est là-bas, là, qui traîne par là. On va se mettre au maximum de ce qu'on peut se mettre dans l'eau. Et puis bon, on va chercher comme ça. Hein. Le plus possible. C'est marrant le mec qui a perdu son amulette dans l'eau, mais je me demande s'il a vraiment perdu par ici quoi. Et que je fais un tour de plage, je trouve rien. Bref, source chaude. On va dire qu'on a la source est. Bon. Je vais pas m'asseoir, je peux utiliser. Ah merci. Incroyable. Elle avait perdu, pareil, elle avait perdu un truc là. Les gens ils perdent tout là, c'est pas normal. Elixir de vie. Donc ouais, ça je remplis dans chacune des 5 sources chaudes de Shade. Pour l'instant j'en connais qu'une. Zavra me fournira un pas si je l'aide à découvrir la vérité sur l'élixir de Melekwe. Donc ça, ok. Le commandant de Thiem, groupe les chaises, chercher une information à propos d'un groupe appelé les Racines. On en parlera plus tard, ok. Ça je pense que c'est plus une trame de fond, donc pour l'instant j'y suis pas. Lieu préféré de machin, je l'ai toujours en actif, donc faudra que je retourne la voir. Un homme sur la plage cherchait une amulette qu'il a perdue dans l'eau. Elle semble avoir une grande valeur pour lui. D'accord. On a vraiment pas plus d'infos quoi. Ballon dirigeable, le renard de blessé, un poisson à cariâtre, les dernières volontés. Je sais plus. Et par contre, j'ai pas les commandes, je sais pas où elles apparaissent ces commandes. Ça paraît où ça? Je sais pas. Tiens, je tourne l'œil sur la map pour voir justement si les sources sont marquées. Les fesses du riflant de la dent, les. La quoi ici? Les côtes de Vif Sabot. Ouais, non, la source est marquée. Il nous le marque lorsqu'on trouve une source, d'accord. Ah, j'ai cliqué dessus, il a voulu faire quelque chose, mais il ne l'a pas fait. Très bien. Ah mince, j'ai laissé courir le chrono de l'épisode d'avant. Ah du coup, je sais pas où j'en suis. Mince. Ah, on peut se faire un petit thé. Allez. Alors attendez, on a nos recettes de thé normalement. Poisson de la rivière. Thé classique en bragiant. 3 cotivrés ou 2 cloches à fleurs et une racine. Cotivray, j'en ai pas. Livre, s'il vous plaît. Cotivray, j'en ai pas. Sinon, c'est 2 racines et 1 chapeau d'encre pour faire du thé de racine. Un chapeau d'encre et 2 racines. Yes! J'ai
pas de la côte ivrée. Bon, musique. Care to hear my song again? I can use the practice. I dreamed I feed upon the shore, sitting by the sea, and the moon and the ocean stole your light unto thee. I dream of a lake beneath the stars, fish are by the stream, and its arms rolled above me in the shade. Care to hear my song again? I could use the practice. I dream thy feet upon the shore, sitting by the sea, and the moon and the ocean. Stars, fish are by the stream, and its arms rolled above me in the shade. Care to hear my song again? I could use the practice. I dream thy feet upon the shore, sitting by the sea, and the moon and the ocean. Lake beneath the stars, fish are by the stream, and its arms rolled above me in the shade. Je pense que je vous ai fait perdre assez de temps. Retournons bosser, voir si déjà on ne meurt pas de froid. Ça a l'air de se gérer. C'est bon ça. C'est plutôt bon ça. J'aurais quand même grande envie de lui retrouver son amulette. Son truc de club super spécial. C'est super génial. Le truc c'est que on me dit que c'est dans l'eau. Clairement j'ai fait toutes les eaux que je pouvais faire. Simple déco ou indice? Simple déco ou indice? Simple déco. Ah ouais, le thé nous donnait quand même un sacré taquet. C'est un caillou ça. On voit rien de toute façon, dès qu'on penche le nez, on ne voit plus rien. Ceci dit, je devrais me rendre à l'auberge, dormir un coup.
Son amulette qui l'a paumé dans l'eau, je peux rien faire quoi. Sorry, I don't feel like chatting right now. Oh, you know about us. Oh. I wish I could invite you to join the group and drink some tea. But we have to be really wary of the Chez. They're always trying to destroy our plants. What if you're part of the Chez? And maybe I shouldn't tell you any of this. I'm already in enough trouble since I lost my amulet. If the Chez find it, they could infiltrate our tea room. It would be all my fault. Sorry, I don't feel like chatting right now. Donc il y a un vrai intérêt à trouver son amulette pour pousser la quête des racines et des machins. Pour l'instant, j'avoue, j'y suis pas. Déjà que la quête des Renardos, je suis perché. Bien que le gros poisson, maintenant, après l'avion, on va pouvoir se le sortir. Hein. Maintenant, le gros poisson, j'ai l'arme pour le sortir. J'ai ce qu'il faut. J'ai la canne à pêche. La canne à pêche des vrais, la canne à pêche des durs. Donc ça peut se faire. Ça peut se faire. Et j'ai envie de dire, ça peut se faire assez vite. Voilà, ça charge. Maintenant qu'on peut voyager de nuit, c'est génial, mais je vais quand même en profiter. Si dormir est toujours gratuit. Pour faire une siestoune. Ouais, c'est gratuit. On se fait une siestoune. On se fait une petite sieste pour profiter un peu de la lumière aussi ambiante. Voilà. C'est important. Et ouais, je pourrais aller pêcher ce poisson. Moi, ce qui me m'embête, c'est que je retrouve plus mes commandes exactes. Et je crois que le mec, ce qu'il veut, c'est une chaumière, un truc comme ça, quoi. Une torchière, je crois, un truc du genre. Donc, je vais lui trouver une torchière perdue dans la pampa à peindre. Je crois d'ailleurs que j'en avais vu une. Enfin, j'en ai vu plusieurs. Je crois que de manière assez simple, j'en avais vu sur la route de Nava. Qui était toute seule dans le bois là. Voilà. Ça charge. Vas-y, charge, tonton, charge. Là, je pense que les textures doivent changer par rapport à la ville. Ouais, ça fait un peu plus vert hein, quand même. Et donc, c'est supportable quand on est dans des zones qui ont déjà été chargées. Par contre, je crois que je l'ai passé. Non, voir c'est ce chemin-là. Voilà. Ma question c'est, est-ce que c'est ça que tu voulais que je paye? Parce que si c'est une torchière, c'est pas ça. C'est pas couvert de torchis. C'est de la brique. Donc ce n'est point ça. Là je sais pas trop où je vais. Mais j'y vais hein. Croyez-moi bien. Point de doute. J'y vais. Petite marche, alors par là, ok. On rentre dans la fameuse zone où j'ai plus le droit de cueillir. Je crois que c'est où. Bah si je sortais ma map. Où suis-je? Le grand arbre est là. Là-bas. Normalement moi je suis à peu près là. Croisement des chemins.
On est bon, là normalement on est sur la bonne trajectoire. Me rappelle pas des arbres roseaux violacés là. Ah, il faut dire aussi que quand je me suis perdu dans cette zone, j'étais de nuit. Faut pas négliger ce détail technique. Donc, oui, c'est... Oula. Ah, ça charge beaucoup. Hein. Vas-y, charge. Charge tranquillement. J'arrête de courir, charge tranquille. Poche à fleurs, on n'en trouve plus. Bon, il y a un truc là à gauche. Acheter un œil, vite fait. C'est quoi ça? C'est quoi ce? Mais qu'est-ce que c'est que ce? Quoi? Ah, moi je comprends rien. Ah oui, il y avait aussi un espèce de... Mais c'est quoi ces délires? Ok. Ah, il y a un délire de miroirs en tout genre. Permet de renvoyer de la lumière. Alors attends. Il y a une sombre histoire. Il y avait une sombre histoire. Déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'on est dans la bonne région. Je pose les panneaux là tant qu'il fait jour. C'est juste pour savoir où est-ce qu'ils sont. Je me balade encore un peu, voir s'il y en a d'autres. Visiblement, pas par là. Il n'y en a pas d'autres. Un ou deux autres par là, ce serait pas mal. Non. Ok, il y a deux panneaux lumineux. Ici qu'il est écrit. Quand le ciel retrouve son bleu, que le soleil brille de mille feux, faisant fuir l'ombre du jour, ma lumière apparaîtra. Mais surtout, ne tardez pas, car je m'éteins quand l'air flamboie. Observez bien et suivez les instructions. Pas par une, mais par deux fois, la lumière brisera sa réflexion. Alors la vérité pourra jaillir. Moi, ouais, c'est quand c'est l'éclipse, quoi. Et il y a des bancs de poissons, hein. Là, il y a du banc de poisson, hein, c'est trop profond. Ouais, ouais, sors-moi la canne à pêche, gros. Hein? Ah, faut choisir ce que je mets. Un œuf. Allez. Tu fais les poissons ou pas? On dirait que l'épa s'est fait mordiller, si c'est le cas, le poisson a dû filer. Oh. Masse. Ah oui, d'accord, ok, il suffit de faire table pour annuler. Je sais pas ce que c'est ça. Mettre l'appât. Excellent. Mais on a rien à foutre de mes appâts. Ah, c'est pas les bons. Mince. Mais non, mais... Ah, il faut que j'arrête. Ok, clic, je vais prendre le capuchon d'encre. Eh, là, on est dedans. Là, c'est un strike. Là, c'est un strike. Faites pas genre. Pas genre, c'est un strike. Ouais, je sais pas. Je sais pas, c'est bizarre. Je pense que j'ai pas assez de patience. Patientons.
Ok, j'avoue, j'ai eu un coup de fil, c'est pour ça que j'ai décroché, j'ai pas fait attention. Je sais pas si ça a mordu à l'hameçon. Ma vie est nulle. Moi, je propose d'aller voir d'autres gens bien plus intéressants. Qu'est-ce que... Hein ? Quoi le problème de cette canne à pêche ? Arrête ça tout de suite. Et j'ai vu un autre banc de poissons par là, en espérant que ce soit pas les mêmes racailles. C'est des quoi ? C'est de la même racaille ? Pas la connaissance de la pêche, c'est problématique. Il y avait une madame en tout cas dans les environs. Ah, puis, ouais, par contre, ce qui est cool, c'est vu que j'ai rien fait, ça a chargé un peu là. Là, ça a chargé un petit peu, ça fait plaisir aussi. Par contre, les racines, c'est cool, les gars, mais j'ai vraiment plus que ça quoi. C'est vraiment. Donnez-moi des tonnes quoi. C'est cool de m'en donner des tonnes, mais donnez-moi aussi un petit peu autre chose. Voilà, un petit bâton de bois pour faire un petit feu de camp, c'est toujours cool par exemple. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc machin? Qu'est-ce que... Quoi? Hein? Arrête de ramer, jeu. Quand tu rames, tu me dis qu'il y a des trucs à faire. Hein. Je ne vois pas l'intérêt de ce truc. Oh, ça a l'air... Attendez, ça a l'air d'être une source chaude, ça. Attendez, attendez. Voilà, c'est une région que, du coup, j'avais pas bien explorée, puisque je l'avais explorée de nuit. Oula, oula, oula. Là, on va s'approcher de l'eau, il va pas aimer. Chute de bois coulé. Ah. Ah. Donc, c'est juste une chute. C'est pas de l'eau... sur la map t'es... Oui, t'es... Merci. Casquette de machin. Ouais, tu dois être là quoi. Elle est pas marquée, pourquoi elle est pas marquée? Et alors du coup je peux pas y accéder, c'est ça, si elle est là? Oui, bois de l'ouest, j'ai pas accès au bois de l'ouest pour l'instant. Peut-être quoi, mais si je paye une fortune. Si je trouve le pont de péage sur lequel il faut que je paye une fortune. Voilà, moi je pense que le monsieur il aurait voulu une maison avec un truc comme ça. Ouais, c'est ça, donc là on est à côté des apothicaires. On revient vers les apothicaires. Ah, les quenouilles. Oui, ça c'est sur l'autre rive, je peux pas y accéder du tout. Genre, pas du tout. Attendez, là, c'est le moment de faire mon plein de quenouilles là. Des quenouilles. On veut des quenouilles. Oui. Pas quenouilles. Voilà. Voilà. Le parcours du combattant. C'est ça. C'est... Welcome to Kent. Oh, really? Just send anyone our way. D'accord. We've got the best herbs and potions in all of Eastjade. Oui, d'accord. Tell your family, très bien, très bien, très bien. Pas de soucis, désolé de vous avoir dérangé. Come here for all their apothecary needs. Mec, c'est en train de péter un plomb. Un client. Dites aux gens de venir chez nous. Non, vous, vous vend rien, mais dites aux gens de venir chez nous, on leur vendra des trucs. Voilà. La belle mentalité, bien sûr. La mentalité du PNJ. Les effets de lumière, c'est quand même autre chose. Hein. Vraiment en élevé. Donc, on venait te voir, toi là. Ah, du coup, on a beaucoup de quêtes dans l'épisode d'avant, et là, c'est devenu un peu l'épisode de la glande. Hein. Désolé. Hein. That old pops. He's a-coming for you. No ring traveler? Hop to it, I'm counting on you to set things ouais, right attends, in the sea. Je sais plus, tu veux pas me redonner des détails? Un poisson acariâtre, Aesun, a une dent contre
notre vieux grognon, un poisson qui évolue dans les eaux du lac de Bois Coulé. Elle jure que ce poisson lui a arraché son alliance du doigt. Elle m'a demandé de l'attraper et de récupérer son anneau. Elle a mentionné que vieux grognon serait une perche. Perche sèche, ingurgite de grande quantité de limon. Projette un nuage de sable. Les pêcheurs, les pieds en ciel, donc c'est ça. Vieux grognon par les lacs de riverain où il sème encore fréquemment la pagaille. Donc c'est un poisson des sables quoi. En gros, il est censé glander dans les coins de sable. Ah, ce que je piche pas, c'est qu'est-ce qu'il faut que j'attrape un de ces maudits poissons de ces morts avant de pouvoir l'attraper lui. Moi, je n'ai pas trop compris comment fonctionne la pêche. Après, c'est peut-être de la vraie pêche. Hein. C'est vraiment peut-être la pêche de l'ultra patience. Et avant de faire quoi que ce soit. Les consommables, ça me prend des œufs, il m'en reste 9, d'accord. Sinon, ça me prend des champignons d'encre, il m'en reste 7, ça c'est ok. Et l'autre bignou que ça me prend, c'est de la tubercule toxique, et j'en ai qu'une, d'accord. Par contre, tant qu'elle n'a pas été prise, la tubercule toxique, que je peux mettre donc en bout de canne à pêche, elle n'est pas perdue, c'est plutôt cool. On va essayer avec ça. Ah non mais ça tombe vraiment pas loin. Là, je pense qu'il faut réussir à l'envoyer au max. Attendez, je vais réussir à l'envoyer au max. À peu près. Bon. Bah on reste cool et on patiente. Hein. On reste cool et on patiente. Je vais mettre un café pendant ce temps-là. Je vous invite à faire pareil. Faut qu'on arrive à pêcher un truc. Y a pas moyen, faut qu'on arrive à pêcher un truc. Possible. Bah. Ouais. Ouais. Ah, intéressant. Ah, vous avez vu ce flotteur comment on fait exactement les mêmes moves qu'il y a déjà une minute. Bon, on n'a rien remonté. Très bien, très intéressant, formidable. Me diras-tu. Là, on a un petit banc de poissons. Hein, c'est des petits poissons. Oui, d'accord. Bonjour les petits poissons. Après, j'espère qu'ils nous ont pas fait le coup de le petit poisson. Faut pile lui donner enfin faut venir à une certaine heure sinon il mord pas à l'hameçon. Pour l'instant moi j'ai affaire à un flotteur qui a des mouvements extrêmement naturels. Pas ce que je pêche ou quand je le pêche. On va dire que c'est pas ça, parce que ça fait un peu long quand même. On reprend canne à pêche, chapeau d'encre, mettre l'appât. Vas-y, on voit.
Ah, petite musique d'ambiance. C'est joli ces petits arbres roses sur le fond blanc de la montagne enneigée. Un petit swag. Alors j'ai pas les bons trucs, j'ai pas envie de nous pourrir l'épisode avec ça. Bien que globalement je viens de le faire. Oh 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 oh, lumière, lumière. Lumière, il est quelle heure là à peu près? On est espèce dans la, on est dans une espèce de nuit. Chapeau d'encre, merci. Ok, attends. Bonjour. Ok. Je suis bloqué là. Allô le jeu? Ah, oui. You finally arrived. Would you like some tea or maybe some pie? Don't be shy now. My name is known to all as Mud Willow. My passion is sight and all that it shows. Weaver of light and doctor of eyes. I hold the gift reserved for the wise. Pourquoi plus sage? With me lies the gift which everyone seeks. So far, you've all been liars and sneaks. Sought out by foe and drunkards unfit, not one of you has held nearly enough wit. They all bumble in, dreaming of crimes. Every day they show up, it's a waste of my time. But the strings of light you folded and bent prove you've got brains, to some extent. It seems you may just be clever enough, although I bet your brain is packed full of fluff. But listen up, painter, for this is your task. Prepare your brushes and hear what I ask. Itself in a constant state of falling, to you it seems that it's always stalling. A stony side where the star hides away, a watchful eye at the peak of midday. When day turns dark, but a moment in time, when a star goes black, though everything's fine, the largest of eyes that stare back at you, a sight that aligns. That's the moment I choose. Attends, ouais, t'es très longue ta devinette. Elle était quand même extrêmement longue. La devinette de Muldow, ok. Alors qu'en vérité, elle chute perpétuellement, à vos yeux, elle semble dénuée de mouvement. Une vision de pierre lorsque s'efface le soleil au pic de mi-journée. Il est l'œil qui veille. De pierre lorsque s'efface le soleil. Oui, d'accord, ok, ouais. Quand la lumière s'en va et que l'étoile s'éteint, vous pourriez avoir peur alors que tout va bien. Le plus grand des deux yeux vers vous se tourne alors, ses regards alignés. C'est l'instant que j'adore. C'est la lune. Merci. On va faire une sauvegarde au cas où, mais normalement, c'est la lune. It seems you may just be clever enough. Although I'd bet your brain is packed for itself in a when day turns dark, but a moment in time when a star goes black. D'accord, je peux pas te donner la réponse à ta. The largest of eyes that stare back at you, a sight that aligns. That's the moment I choose. Oh, mais
D'accord, madame, mais déjà, on sort par où? On fait quoi? Quand? Comment? Pourquoi? Là, moi, je ne vois que dalle, hein. Alors, peut-être que vous en voyez un peu plus, mais alors, moi, avec un peu de reflet de lumière, là, c'est fini, hein, je vois plus rien. Je sais plus où je suis. D'accord. Et donc, ta porte est cachée, genre, par là. Porte de Widow. D'accord. Ah bah ok, on était juste à côté. Lol, très bien caché, bravo madame. Maintenant, je veux rentrer ici, mais je veux voir quelque chose dans ton bignou là, ton bazar là. Parce que j'ai la réponse à ton énigme. Y'a quoi ici là? Je vois qu'il y a un miroir là. On va y accéder. Mais c'est quoi ton énigmette là? Une femme qui préfère vivre sous terre m'a posé une étrange devinette. D'accord, mais est-ce qu'on peut te donner une réponse? Ou est-ce que c'est un truc à exécuter avec des petits panneaux lumineux? It seems you made itself in a constant state of falling. To you, it seems when day turns dark, but a moment in time when a star goes black, though everything's fine. The largest of eyes that stare back at you, a sight that aligns. Je pense qu'avec elle veut que j'aille lui peindre une éclipse. Hein. Là, c'est moi. C'est ce que je comprends. C'est ce qu'elle aura. Elle aura son éclipse solaire. Point barre. Elle m'a saoulé la vieille. Elle m'a saoulé la vieille. Entends-tu mon insatisfaction et mon désagrément? Par contre, je ne saurais dire à quel moment de la journée nous sommes. Voilà. Ah oui, c'est reparti pour les phases de chargement infinies. C'est un lieu que je connais pas. Intéressant. Bonjour, désolé de vous avoir mâché dessus, rien de personnel hein, dans cette démarche, voyez-vous. C'est une petite plage, avec des quenouilles. Voilà. Des bouts de bois. Pas d'autres quenouilles, si... d'autres quenouilles. Plage assez sauvage, appréciable. Si je remontais. Voir ce fermier. Qui doit probablement posséder une cagette ou deux qui traîne autour de chez lui. Voilà. Arrête de ramer. Ah, arrête de. Maison de Rania. Ok. Il a pas aimé la façon dont je suis arrivé chez lui. Ça s'est mis à charger. Sure. Why, hello, friend! Glorious day, wouldn't you say? What an incredible day to be alive! Tout à fait. Ah, I see you're a traveler, swept in from some distant land. How enchanting! Ah, marvelous place, Eastshade. The only trouble is, traveler, the little mice. C'est-à-dire, développe les quoi? The little mice. You see, they've taken a liking to my garden. Not sure how they eat so much when I'm not looking. Must be bigger than I think. I'm standing guard, but it's not working. Somehow they're getting past me. Must be while I'm sleeping. Not that I mind, really. I'm glad they have a proper meal. But how I dream of cooking up a proper stew. Vegetable, of course. Can't have a good stew without an assortment of the finest crops, eh? Tu es bien d'accord. Tell you what, bring me 7 sticks so I can finish my fence. That just may do the trick against these crafty carrot eaters. Of course, I never let a friend journey on without a few glowstones to pad their pocket. How's 10 sound? J'en ai déjà 7. Oh, isn't that perfect? I knew it was a good thing we met, traveler. Of course, I appreciate your help.
Nothing wrong with running around picking up sticks, just don't forget to get lost once in a while, eh? And look around you, smell the roses. J'ai prendre mon temps. Ah. Je devrais ralentir plus souvent. Oh, listen to me, I sound like an old-timer. What a fine one you are, polite as they come. You'll fit in splendidly in our little community here in Eastshade. Folk are as kind as can be. Anyhow, thanks for getting these sticks for me. It's a full-time job standing guard. Why don't you come back in a day's time? That'll give me time to patch up this fence and see how it does against the little mice. See you soon. D'accord. Donc un personnage à retourner voir déjà. Qui a des cagettes, évidemment. Évidemment. Encore des cagettes. Voilà. Et bien sûr qu'il va avoir au moins une bougie de cire, quoi. Il va pas nous faire le mec. Voilà. Au moins une bougie de cire. Hi there, stranger. Come on in. Care for some tea or maybe a mead? Alors, je suis un artiste, donc forcément, je suis un peu alcoolique. That'll keep your bones warm. I don't think I've seen your face before. Are you from out west? Je ne suis pas d'Ipish. Ah, okay. I thought you might be from out west. I haven't met many westerners. I was born and raised in Narva. I really wish more westerners would come through this way. I really want to ask them about the drumming. Les tambours? Have you heard the drums at night? Je n'ai pas entendu de tambour. I was just a child the first time I heard the drumming out in the brushwoods. My best friend and I used to play out here a lot. We even found a drum once. Wish I could look at that thing, but it seems to have disappeared. Ever since I moved out here, I've only heard the drumming late in the night. Some nights I hear it, others I don't. Doesn't seem to be any pattern. I like the music. It's captivating. In fact, it's almost bewitching. But I've always been bewildered as to its source. I figure it must be some westernly folk thing. Maybe the farmers from the Teethmore Bluffs throw parties in the Blushwood? Nobody in Narva seems to know anything about it. D'accord. That's where I grew up. My best friend and I spent a lot of time out here, though, running through the Blushwoods. There was an old shack right in this very spot that we used as our hideout. Wasn't much more than a pile of boards back then, but I purchased the land and fixed it up. My son Finn brought his family out here, too. He always loved trees more than the bricks of the city. And I've got 5 beautiful grandchildren. Things couldn't be better. D'accord. Bien, au revoir. Très bien, très bien. Oh, je peux me cuisiner mes petits thés ici au KLM. Allez, on va refaire un comme ça. Je ne vois rien du tout. Je ne vois mais rien du tout. Mais genre, rien du tout. Vous voyez une planche, parce que je le vois sur la rediff, mais moi je ne vois mais rien. Le livre vert de la poésie, Aude aux bois fardés. Au cœur des bois fardés, le long des doux chemins, ensemble nous flânions en nous tenant la main. Ses joues en rossissaient sous l'ombre des ramées. Ensemble nous chantions notre amour enflammé. Bientôt un écureuil attiré par notre aude courut se joindre à nous, l'air assez peu commode. Petit ami charmant, joins-toi à notre chant. Nous danserons et rirons ensemble comme des enfants. C'est alors que sur nous s'abattit un enfer. Toutes ses noix, il lança, cherchant à nous faire taire. Ok, d'accord. Donc les écureuils, c'est fermez-la, bande de racailles, vous êtes que des racailles, foutez-nous la paix. Allez chanter votre amour et faire de la poésie plus loin. Personne ne vous aime, bande de bons à rien. Enfin, ils sont pas très commodes, quoi. Ah bah, et du coup, ils m'ont mis un tas de bouts de bois. Hein,
C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce? Ok. Disons que c'était cool. Hein? Ok, si tu veux. Il y a peut-être... Ah, attendez, il y a peut-être un truc. Attendez, je t'aide un truc. Non, il me refait juste teinter le premier son. Mais pas à... Ce qui n'est pas ouf. Bon, j'ai bicraft 7 bouts de bois. 7 bouts de bois, c'est bien, mais ça me met dedans du coup, non? Je suis comment en termes de bois? Parce que faut pas que ce soit trop craignos cette histoire de bois. 10 bouts de bois, bon, ça va, je suis pas craignos non plus, ça va. Eh, mais je sais comment éclaircir ma vue. Bougez pas. Un petit thé de racine. On y voit un chouille plus clair. Un chouille. Enfin, moi, j'y vois mieux. Un peu mieux. Vous, je sais pas. Mais disons que je commence à voir où je vais. Ce qui peut être pratique. J'ai l'air un peu moins ridicule. J'ai dit un peu moins. D'accord. Quoi, c'est ça? On remonte vers la montgolfière, en fait. Soit... sa montgolfière, j'avoue, j'en ai parlé à personne encore. De sa gondolfière. À l'autre. Ouais, gondolfière, référence évidente hein, à Roll and Play. Si vous ne connaissez pas, c'est une série qui est sponsorisée par Black Book Edition. Qui est sponsor, lol. Ouais, c'est pas le mot. Mais là, j'en ai pas d'autres en tête. Hein. Je suis en train de chercher des trucs et des machins, donc j'en ai pas d'autres en tête. On dirait que ce mot était superbe. Good mot, good enough. Et édition de jeu de rôle très très sympa. Au début, on a affaire quand même à une équipe qui se connaît pas trop et qui. Enfin, qui se connaît pas trop aussi, ils se connaissent, mais. Qui se connaissent pas trop dans le jeu de rôle. Et qui s'y connaissent pas trop en jeu de rôle. Vraiment, après, ça devient très très cool, très très intéressant, vraiment. Le mot à retenir c'est très très. Oui, c'est un seul mot. C'est comme ça. C'est un mot, il s'appelle très très. C'est moldave. Je sais pas. C'est comme ça. C'est comme ça. Je vous invite à aller voir. Roll and play comme si vous écriviez rock'n'roll et. Roll, rouler de dés, tout ça, tout ça. Très très cool. J'ai l'impression qu'il y a un truc là. Il y a un truc que je vais aller voir. Là sur ce rocher, vous voyez, je sais pas si c'est une aspérité ou un machin. Ouais, c'était vraiment juste une aspérité. Qu'on voit de très loin. Écoutez, pourquoi pas, hein, finalement. Et j'ai envie de dire. Ok, on va refaire un petit tour dans les bois alentours. Parce que bon, on est censé pouvoir trouver pas mal de bâtons de bois, je pense, par ici. Puisque notre quête nous le demande. C'est de prendre tout ce que je peux trouver. Ouais, on n'a pas l'air d'aller beaucoup plus loin. L'épisode a l'air d'être très long déjà. On n'aura rien fait, rien gagné. On n'aura pas avancé. Quoique si, en soi, on a fait une. On a fait une petite quête en vrai. En vrai, on a fait une petite quête. Qui n'est pas piquée des hannetons. Puisque, en fait, on vient de résoudre le problème d'une clôture. Et parce qu'il y a des gens qu'il faut retourner voir. On en a plusieurs comme ça, on nous a dit hey, revenez dans une heure, revenez dans 15 jours, ou la quête est encore active, donc faudra revenir. Bon. On va s'occuper de ça. On va rentrer, on va, je pense, vendre quelques bignoux pour pouvoir acheter la tyrolienne. Pour le coup, j'aimerais voir comment elle fonctionne à l'occasion. Ce serait bien qu'on l'ait. Voir ce qu'il y aura d'autre à vendre pour travailler comme un damné et dire oh, il manque de l'argent pour acheter ça. Peut-être des absous de pêche. Oui, il faudrait que j'achète aussi des poissons. Du coup, c'est la question que je me suis faite, c'est que vieux grognon
Attendez que c'est une perche, il doit manger des saumons machin là, des saumons tonnerre. Saumon, j'ai pas le nom. Donc bah écoutez, j'ai envie de vous dire, c'était Knarf en Code d'habitude gaming, et puis je vous dis bah à la prochaine hein.